Charlène Monaco s'est retrouvée avec son frère Sam, loin d'Albéry. Les semaines se suivent, n'ont pas le même décor, mais restent familiales pour la princesse de Charlène de Monaco. Une semaine après avoir célébré la fête nationale monégasque, en compagnie de ses jumeaux et de presque tous les Grimaldi, au balcon du palais princier, l'épouse d'Albéry y assistait au Grand Prix de F1 d'Abu Dhabi, ce dimanche 25 novembre. Si le souverain monégasque n'était pas à ses côtés, Charlène n'a pas boudé son plaisir de retrouver son grand frère Sam Whitstock, passionné de circuit automobile. Si le cadet de la fratrie Whitstock se fait plutôt discret sur le rocher, n'apparaissant qu'à l'occasion du Grand Prix de F1 de Monaco ou lors de manifestations sportives en faveur de la fondation de sa sœur, la raison est plutôt simple. À l'inverse de leurs frères aînés Gareth venu s'installer avec son épouse Roisin dans la principauté, Sam, commercial, est resté vivre en Afrique du Sud, avec sa femme Chantelle et leur fils de 5 ans. De quoi donner à ses retrouvailles avec Charlène le caractère d'une parenthèse enchantée. Parenthèse enchantée est comme le sourire de la princesse, ce 25 novembre.